Eh bien, bonjour à toutes et à tous, les gens qui regardaient en VOD, on est là pour la suite de Stray. On m'a fait comprendre que j'étais quand même pas si loin de la fin, donc peut-être qu'il s'agit là du dernier épisode, ou alors je suis vraiment une brêle comme Jacques, et du coup, ce sera pas le dernier épisode. Mais on va voir. On va voir déjà, je déteste ce qui est en train de se passer sous nos écrans. Est-ce qu'il faut que je miaule jusqu'à ce qu'un garde en ait marre et me dise « Oh, la ferme, le chat, là !» De toute façon, je peux pas faire grand-chose à part tourner, quoi. Si ? Putain, j'ai envie de... Ah, peut-être faire ça. Aïe ! Oh oui, oh oui, oui ! Allez, on passe en immersion, let's go ! Oui! Non mais moi les animaux c'est fini hein, c'est finito pipo hein. Oh putain, j'en peux plus. Vraiment à chaque fois que je l'entends miauler, c'est une flèche dans le cœur. C'est vraiment une... C'est quelque chose de pas agréable, tu vois ce que je veux dire? Oh j'adore la silhouette du chat avec les petites oreilles. Hop. Donc faut passer par en haut? Ah bah je pense, de toute façon ici, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le plus agile des chats! Hop là! Ça me rappelle un épisode de Bloqué, quand il y a le chat de la voisine qui saute du 10e étage, je sais plus quoi là. Eh mais il devait pas... T'as Gringe qui fait... Eh mais il devait pas... Il était pas censé Attends, c'est quoi qu'il dit? Il était pas censé atterrir sur ses pattes, cet enculé? Patou papa, tourné au 10e étage. Oh, mais c'est trop beau. Vraiment, c'est trop trop beau, la silhouette de ses petites oreilles et de ses moustaches. Oh. Il est vraiment trop beau. T'es trop beau. Oh, je dis ça, il s'assoit. Bref. Allez, on avance un peu. Il s'agirait d'arrêter de faire n'importe quoi. Prison. Prison break? J'ai pas le temps. Mon esprit. Michael Scofield, c'est vous? Mais là, je suis bloqué, du coup. Ah, peut-être que... Oui, d'accord, oui. Non, en fait, fallait faire ça pour... Big brain, big brain. Hop là, en fait. Vraiment, 4 simulateurs, le jeu. Ah, c'est un peu ça, hein. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même une histoire, il y a quand même un univers, tu vois. Donc, c'est pas juste t'incarnes un chat, tu vois. Il y a quand même une aventure, un lore. Ce qui est chiant, c'est que... T'aimerais voir ce petit bout de chou dans un contexte un peu plus mignon, des fois, tu vois, genre... Parce que c'est quand même un peu un décor pas très gay, quoi, tu vois ce que je veux dire? Allô? Quel enfer! Ça a des effets thérapeutiques aussi, je crois, les ronrons des chats. J'avais entendu ça quelque part, apparemment c'est vraiment thérapeutique. Comment je... Allô? Comment je fais? La ronron thérapie. Oh, c'est trop mignon. Je veux de la ronron thérapie. Ah! Oh, les lumières sont tellement cool. Putain, là, vraiment, incarner un animal à quatre pattes dans un contexte comme ça, là, ça me rappelle beaucoup The Last Guardian.
Là, le j'ai eu un flash de The Last Guardian, là, comme... Bon, t'incarnes pas Trico dans le jeu, mais... Des couloirs assez étroits, comme ça... Ah, je suppose qu'il faut pas aller dans la lumière ? Alors... oui. Ce chien-chat, oui. Bah, chien-chat, poulet, aigle, un peu. Parce qu'il a des pattes de... Il a des pattes de poulet. Oui, oiseau, ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Il a des pattes de poulet, le petit Trico. Et c'est pas des sabots, C'est pas des sabots qu'il a de, dans les pattes... aux pattes arrière, je sais plus. Bref, la plus belle des chimères, en fait. C'est vrai que j'ai plus mon petit pote. C'est pour ça que je me sens un peu tout nu. Ah non! Il m'a détecté? Oh merde. Oh merde. Après, vous êtes pas obligé de... Voilà. J'ai envie de foncer, hein. Il y a vraiment un monde où je fonce sans réfléchir. Bon, allez. Non, 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 personne ne tire sur le... Oh oui, je me cache. Cache-toi, bébé. Ah, ça n'a servi à rien, il n'allait pas jusque-là. Quel dommage. J'aurais été chaud. C'est quatre pattes d'oiseau. Ok, ok. Je suis vraiment le pire gars parce qu'en plus j'ai une petite... Ouais, il est couché mais j'ai une figurine de lui en plus donc... Oh, quel enfer! Oh, les ravages de l'alcool! Ça c'est moi, ça, regardez-moi ça, hein. Ça c'est... Inscrivez bien ça dans votre esprit, ça c'est moi à la fin de One Piece, hein. C'est vraiment une vision plus que certaine du futur de moi à la fin de One Piece. Vraiment, notez ça, hein. On en reparlera dans 7 ans, mais croyez-le ou non, c'est véridique ce qui se passe là. Ah, il y a un trou là. Oula. Oh, les prisons quoi. Prison Break. Previously on Prison Break. Mais je suis où là? Oh, comment j'ai réussi à esquiver le truc? La dingue. Oh la dingue. Pourquoi on peut pas se balader dans un champ? Oh putain. Mais oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je suis en train de revenir en arrière, sombre con. Aïe. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors, faut que je regarde un petit peu les passages que j'ai pas empruntés. Parce que ça... Voilà, ok, ouais. Y a pas un autre passage? Non, oh merde, oh merde. Parce que là, je suis bloqué en plus, donc... Non, 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 mais c'est pas moi, vous vous trompez de personne. Hein. Oh, il m'a pas vu. J'étais vraiment sûr de mourir, en fait, tout simplement, mais... En plus, j'ai personne pour me donner un indice, là. Ah, bah attends, je peux grimper, là. Hop. Hop. Oui, mais ça va me ramener où j'étais. C'est moi qui suis con, ou... Ou j'ai vraiment pas compris.
Ah. Ken Bogard. Ah oui, j'ai pas mon traducteur, c'est vrai. Ah, il y a la clé, d'accord. T'inquiète pas. T'inquiète, Popiette. T'inquiète, Popiette. Je vais comprendre, je vais comprendre. Je finirai par comprendre. Bon, par là, il y a l'air de pas y avoir grand-chose. Oui, tout simplement, en fait. Pourquoi chercher compliqué? Oh, il y a une toile d'araignée, là. Une belle toile d'araignée. Hop. Putain, le mur et tout. Hop là. Oh, il est trop chou. Je peux pas miauler. Étant donné que j'ai le truc dans... Dans la gueule. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai bugué ou quoi? Le jeu a bugué? Bah, où sont les clés? Bah. C'est mon jeu qui a bugué ou. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah oui, d'accord. Bah... Les clés se sont téléportées. Ouais. T'es libéré, copain. On est libre, copain. On fait un prison break. Ah, moi je te suis, hein. Previously on prison break. Merci. Je veux retrouver mon copain. Ça veut dire viens. En langage chat, ça veut dire viens. Viens, sale race. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire là? D'accord. On peut grimper dessus. On va se faire retaper dessus. Illico pipo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oula! Ah, c'est mon pote là-bas! Ah, shit! Ah, shit! Alors, comment on peut faire? Déjà, mon pote, il regarde par là, donc ça veut dire qu'il faut faire un truc par là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est un lit renversé. Là, je peux pas grimper. Putain, l'infiltration la moins discrète du monde.
Tu miaules en fait. Copain, faut faire quoi? Bon. Là, vraiment, pour le coup. Parce que je peux pas descendre. Je peux pas me laisser tomber. J'espère que c'est pas un bug en mode. Je devrais. Normalement, je devrais interagir avec un truc et au final, ça se fait pas, tu sais. Oh, le jeu bug un peu, j'ai l'impression. Mais quel est l'intérêt de monter là-dessus? Bon, attends, il doit y avoir un truc à faire avec ça. Là, là, il me faut mon pote là pour décoder le truc. Miaule pour voir là-haut. Ah, tu veux dire devant mon pote? Ou là-dessus. Ah, devant le. Ah mais oui, ce putain. C'est vrai que ça active des trucs le miaulement. Ouais, ça. Je n'ai pas très convaincu. Ou à côté de mon pote? Mais non, mais ça, c'est un aboiement. Pauvre chat. Attendez, j'ai envie d'avoir la conscience tranquille. Juste au cas où, je relance. Parce qu'étant donné que j'ai eu un petit bug. Étant donné que j'ai eu un petit bug, je me dis. On ne sait jamais. Merde. Ah, faut refaire ça? Très bien. T'inquiète, mon pote. C'est comme si c'était fait. Maintenant que je connais. Voilà.
Ouais. J'hallucine, c'était vraiment ça. Oh là là. Quel enfer. Bah j'aurais pu chercher longtemps. Là, mon copain, il est emprisonné. C'est pour ça que je me demandais si j'avais pas miaulé pour la faire venir. Je trouve ça bizarre que ce soit pas comme moi. Bah ouais. Oui, je comprends, ouais. Ah non, c'était vraiment un bug. Ouh là là. J'allais par là? Ah oui, là-bas, d'accord. Hop là. Alors. Attends, les OST, elles fonctionnent toujours très bien. Elles fonctionnent toujours aussi bien. Hop là. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord, là. Tout simplement. C'est comme ça qu'on baise le système. Je pense que c'est une image de... C'est une image de comment on baise la... Ah là là! Je suis un carton. Ah, y a un téléphone là. Attends, attends. Mais non, non, non. Je me suis trompé de touche. Je voulais accélérer comme un con. J'ai appuyé sur croix au lieu d'accélérer. Alors, on va essayer d'être prudent cette fois. Hop là. Alors. Non, ça s'active pas, ça. Ok. Alors là, attention, ça monte. Faut faire attention. Bébou! Alors là, je fonce dans le tas, mais d'une force... Non, non. Ok. Mais là, est-ce que je vais dire... Est-ce que si je vais directement ici, je vais pouvoir faire quelque chose? Ah, j'en doute, hein.
À mon avis, il faut que je désactive quelque chose d'abord. Bonjour. Je ne suis pas du tout à l'abri des regards. Je suis un petit chat. Oh là là. Je ne suis qu'un carton. Attends, je vais aller là-bas. Hop. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose. Ah bah voilà. J'arrive! Ah, j'ai été un peu trop vite et du coup, voilà, j'ai sauté une étape, oui, c'est vrai. Je ne peux pas vous donner tort là-dessus. Ah merde. Et merde. En même temps, faut un bouton pour sauter, quoi. En mode, il peut pas le faire tout seul. Oh putain. Après voilà, j'ai jamais dit que je jouais bien. Oh merde. Putain, oh quel con. Non mais là oui, là pour le coup, là c'est clairement ma faute. Je vais trop vite. Je fonce dans le tas, je fonce dans le tas. Attention. Ah, pardon. Oh merde. Déjà ? Putain. Non mais c'est abusé. C'est abusé à quel point c'est pas dur, et pourtant je meurs. Hop, hop. Ok, on descend là. On se cache ici. Allez, va-t'en maintenant. Y a aucun danger. Je ne suis qu'un carton, hein, donc... Hop là. Très bien. Donc là, on désactive ça. On fait attention. Cette fois, on fait attention. Oh là là. C'est traître, c'est traître. Attends, on va essayer de passer par sous le bureau. Bon, allez, je fonce. Oh là, oh là là, oh là là, je joue à un jeu dangereux. Et ensuite, je vais où? Bon, je vais le ramener... Par là, déjà, parce que je connais. Non, mais non, dans le carton, dans le carton. Non. Non, saloperie, saloperie, saloperie. Ah, saloperie, putain. Oh non, mais c'est pas cool. Il met 1000 ans à rentrer dans son carton. Chaton! En plus, ça se trouve, c'était même pas par là qu'il fallait aller.
Mais mais là il est rentré, genre. Ok, là il a mis un peu plus de temps. Hop là. Ça se trouve, faut que j'aille en face. Ah bah non, attends. Ils m'ont perdu avec la caméra. Oh merde! J'ai vraiment miaulé par réflexe, j'avais pas du tout l'intention de miauler. Non, partez, c'est rien. Voilà, c'est bien. Hop là. Vas-y, je vais faire le tour, parce que j'aime vivre dangereusement, et j'ai envie de savoir par où faut aller. Ah oui, si, c'est par là! Alors attends. Oh putain, là j'ai eu chaud. Là j'ai eu un peu chaud, c'est vrai. Là j'ai un petit peu eu chaud aux fesses. Non. Bébé, saute! Le retour de l'Alliance. Regardez, je ne suis plus tout nu. J'avais l'impression d'être à nouveau enfermé dans le système informatique de mon labo, tout seul. Mais tu es revenu pour moi. Je n'arrive pas à y croire. Tu es vraiment un ami. Oh, je suis vraiment ravi qu'on se retrouve. On n'est pas encore en sécurité. Il faut qu'on trouve comment sortir d'ici. Tu peux ouvrir cette porte ? I'm a friend. Ça s'ouvre pas? Wow, l'effet de fumée là, il est stylé. Qu'est-ce qu'il faut faire là, monsieur? Pardon, c'est moi, je fais le con. Ah, il va en prendre un pour casser... Pour casser quelque chose? Ah ouais, oh! Putain, on est vraiment le trio le plus discret ever. Merde, pardon. Oh, c'est trop mignon. Hop. Attends, bouge pas, je t'ouvre. Et c'est ce que je disais dans le dernier épisode, c'est tu sens que c'est un jeu 2D sur le fait que les événements s'enchaînent quand même très vite. Ces sentinelles bloquent à nouveau le passage. Elles vont me repérer immédiatement. Et si t'essayes de les attirer dans ces cellules pour les enfermer? Quoi? Alors. Oui.
Viens, viens, viens. Pardon. Ce sens de récupération m'a fait le plus grand fou. Le plus grand bien. J'ai l'impression. J'ai l'esprit clair et lucide. Je suis un citoyen exemplaire maintenant. Ouais, tu sens que les événements s'enchaînent vite parce que là, le fait de sortir de prison, trouver notre pote. Enfin, trouver. La robot, trouver notre pote, le libérer aussi vite. Enfin, en général, quand t'as des missions comme ça dans les jeux, ça dure quand même un petit bout de temps. Ça prend vraiment un arc assez conséquent d'un jeu. Ce pauvre type. On dirait que les sentinelles sont sans pitié pour ceux qui les défient. C'est bien ce que je craignais. Elles l'ont complètement annihilé. Plus aucune émotion, plus de conscience de soi. Plus de souvenirs. Je t'en supplie, on ne doit pas se faire prendre. Bah non, t'inquiète. Hein. Hey, ne m'attire pas d'ennui. Je n'ai plus que 758 à tirer. Et je suis libre. Ah. Oh là 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 là, d'accord. Donc va falloir refaire le délire. Putain, je suis vraiment trop nul, hein. Là, pour le coup, je suis vraiment le plus zéro des zéros. Allez, viens, mon pote. Ok. Non, oui. Oh putain, j'ai eu chaud, là. J'ai vraiment cru que ça ne le ferait pas. De zéro en héros. Viens par là, mon pote. Non! Oh, t'es pas drôle. Viens, 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 on va jouer. Viens, on va jouer. Voilà. Bande de petits cons. Et venez, venez, venez vous échapper avec nous, hein, si vous voulez, les petits potes. On est un mouvement révolutionnaire. On s'appelle les Chacripans. Ah, il y a un petit trou là. Est-ce que je passe par là, mon pote? Bon, je pense que oui. T'inquiète, t'inquiète, je t'oublie pas. Faut pas croire. Hein. Cette porte, c'est le seul moyen de sortir de cette prison. Je crois qu'on peut l'ouvrir à partir de cette salle de contrôle là-bas. Mais il faut qu'on trouve comment accéder à cette salle. Fouillons les lieux. Oh, les petits effets de brouillard, là. comment qu'on fait? Ah, attends, il y a un autre truc là-bas. Ah oui, non, d'accord. C'est... On a de la chance, ils ont laissé les clés dans la porte. Grimpe à l'arrière du camion. Tu devrais pouvoir sauter par-dessus la barrière et accéder à la zone sécurisée. Ouais. En voiture, Albert. Ah, j'adore. Ah oui, mais monte. Merde.
Je peux pas monter plus haut? Allez plus haut. Ah oui, voilà. Aller plus haut, ça c'est Tina Arena. Je crois. Alors, voilà, c'est ici. Oh, mais on est vraiment discret, c'est un truc de maboule. Oh merde, oh merde. Oh putain de merde. Non, non, mais c'est pas ce que vous croyez. Vite, vite, attends-moi. Mais c'est une dingue. Mais attends-moi. Clémentine, je ne dirai jamais que t'es grosse. Voilà. Oh, le prison break. Oula. On n'y arrivera jamais avec les sentinelles sur le dos. Je peux détourner leur attention un instant, mais tu dois partir. Le manifeste des extérioristes dit « Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. » Je l'ai écrit. Tu es l'un des nôtres maintenant. Nous ne serons pas tous obligés d'atteindre l'extérieur, mais l'un de nous doit y aller. Vas-y maintenant. Tu resteras gravé dans ma rame, petit extérioriste. Oh non. Mais putain, mais ça me fait penser qu'il y a quelque chose en rapport avec Stray qui a été annoncé il y a pas longtemps. Je sais plus si c'est un film, une série, ou... Mais je crois avoir lu quelque part qu'il y avait un projet qui était... qui était en train de se faire autour de Stray. Bref. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Faut que j'aille au métro. Oh, l'OST, putain. Comment qu'on fait là? Comment qu'on fait? Autant ça marche en jeu, autant en cinéma, je suis moins sûr. Ouais, je sais pas. Je regarderai tout à l'heure. Bah, en fait, en cinéma, je... En fait, j'étais en train de me dire pourquoi pas, parce que... je trouve que l'histoire... Enfin, en tout cas, dans le jeu, là, ils vont vraiment, vraiment à l'essentiel. Enfin, je trouve, personnellement... que le jeu a quand même plus un rythme de film que de jeu. Ah, mais c'est là, ok. Après, oui, Est-ce que le protagoniste resterait muet, enfin, étant donné qu'on est un chat, mais... Ça, je sais pas. Elle est où la clé? Enfin, faut la mettre où? Ok, je suis en train de devenir fou, quoi. Bah, où est-ce que j'insère la clé, moi? Il devrait une arrière pour insérer la pile, je crois. Pour insérer la pile? Ah! C'est vrai qu'on a volé une pile.
Big brain. L'autre arrière, avant que tu arrives dans le métro. Encore, attends. Oh, les petites papates. Oh là, et ça fait tellement direction les enfers là par contre. Oh, c'est flippant. Personnellement, je n'y vais pas. Ah ouais, putain, j'avais pas trouvé quoi. Ah ok. C'est laissé le sang appeler. Ouais, ouais. Bah ouais, mais même tu vois, genre, enfin, j'avais même pas vu qu'il y avait une autre entrée quoi. J'avais pas du tout vu qu'il y avait une autre entrée. Oh, l'OST, putain. Putain, toutes les lumières, des néons comme ça, et puis avec la musique, ça me fait un peu... ça me fait un peu Stranger Things vibe. Parce que tu es arrivé par là la semaine dernière. Ah, d'accord. Ah bah oui, effectivement, je m'en souvenais pas du tout. Je m'en souvenais pas du tout, du tout. Mais oui, le métro, ça me disait un truc. Salle de contrôle. Et des traqueurs? Le chat, il tremble. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Être courtois déjà, oui, c'est déjà un bon début. Oh, c'est tout calme. On n'entend que les patounes. Bonjour. Oula, 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 oula. C'est tout propre. Ça fait bizarre, là, d'un coup, de tomber sur un environnement tout propre. Salutations, habitants de la cité murée. Je suis en train de peindre ce secteur. Putain, le gars, il est en train de me vomir dessus, quoi. Ah, la vache. Il me rôde dessus, mais... de tout son poids, quoi. Oh là là. Salutations à... Ouais, lui aussi, c'est pas... cette porte qui mène à la surface est actuellement verrouillée pour cause de procédure de confinement. Veuillez consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Bonne journée à vous. D'accord. Y'a quoi depuis l'extérieur? Wouah! Oh, c'est trop beau.
c'est trop chouette. Bonjour. La cité a été fermée pour raison de sécurité. Veuillez consulter l'ingénieur. Oui, très bien, je vais le voir, je vais le voir. Oh, c'est chouette. Bonjour, mon travail actuel est nettoyer la fenêtre. Veuillez consulter, oui. Non, non, non. Putain, c'est limite triste de laisser les robots derrière nous, là. Alors, faut que je trouve une salle de contrôle, il m'a dit. Où est-ce que je trouve ça, moi? C'est vrai que je ne suis pas considéré comme étant humain. Eh, hey, c'est pas gentil ça, protocole de sécurité. Peut-être qu'en collaborant, on pourrait ouvrir cette porte. Ah ouais. Et là, il faut quelqu'un en fait. Quelqu'un peut m'aider? Pourquoi mes amis robots et moi avons été conçus pour prendre soin de toutes les formes vivantes? Bonne journée à vous. D'accord. Bonjour. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça non plus. J'ai pas compris ce qu'il veut que je fasse en même temps. Il faut qu'on collabore. Ah! Putain, ok. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Oh, il me faut juste un peu de... Un peu de réflexion, mais... Je finis par trouver. Attends, je vais... off. Ok. Ah c'est... Quel enfer! Non mais tu vas t'électrocuter les papates! Il va s'électrocuter les patounes!
Les patounes. Bonjour. C'est la salle de contrôle pour la ville tout entière. Ils géraient tout d'ici. Et c'est le vide. Je me souviens à quel point je les détestais. Ils avaient tout, l'hygiène, un pouvoir illimité, et la liberté de mouvement. Ça ne leur a pas porté chance. L'épidémie. Je me souviens maintenant. Ah bah moi aussi, hein. Tout le monde mourait. Ils se croyaient à l'abri. Ils n'ont rien fait pour nous aider. J'ai vu mourir ma famille. Je me sentais impuissant, je ne pouvais rien faire pour les aider. Mais je peux encore t'aider, toi. On peut encore sortir d'ici, ensemble. Je transmets tes souvenirs de l'humanité et des gens que j'aimais. C'est beau. Putain, c'est vraiment trop classe, quoi, cette salle de... Ce côté salle d'observation. Que faut-il que je fasse ? À l'aide. Ah, ici. Control room. On y est, c'est l'ordinateur central. Selon l'ordinateur central, personne n'est venu ici depuis des années. La ville tout entière est bloquée dans un cycle de confinement depuis longtemps. Si on le désactive, on devrait pouvoir partir. Il va falloir remettre en ligne le reste de ces systèmes. Ces ordinateurs contiennent les données dont on a besoin. Il faut les allumer. Pendant que je fais ça, je vais chercher les mots de passe et les clés encodées pour entrer dans le système. D'accord, d'accord. On fait ça. Hop. Ah, c'est là qu'on grimpe. Putain, ça me tue. Je vais retourner le voir. Ah oui, c'est ça, faut mettre tous les... Mais attends. C'est quoi, c'est en marchant dessus? Ah oui. Bah non. Ah mais non, c'est peut-être sur les... Oui, c'est sur les claviers, d'accord. Ah oui. Un peu de logique, Moquette. Ok. Hop. Hop. Attention, non. Oh là là, je fais de la cata. Oh, je contrôle pas mon corps. C'est terrible. Ok. Je crois que toute cette rangée, c'est bon. Ça marche. Bon travail, mon ami. Je sais comment ouvrir la ville. Mais il y a encore un truc qui cloche. Attends, il y a peut-être un moyen. System is locked. Ah. Voilà. C'est la station de travail pour ouvrir la ville. Mais il y a plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent de l'utiliser. Et maintenant, il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux.
Moi, je pirate les machines et toi, tu sors tes griffes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il va falloir affronter des bébêtes ? Alors attends. Bah pourquoi je peux pas lui parler? Pourquoi je peux pas lui parler au bébé? Bah. Alors attends. Si je vais. Si je retourne sur le. Non, toujours pas. Ah, attends. Voilà. J'ai tout fait péter. Merde. Ah bah en même temps, j'ai fait un peu de la merde. Oh non, il faut qu'on continue. Qu'on continue quoi? On va se faire allumer, Peptio. Où est-ce qu'il y a un dernier truc? Là-dessus, non, il n'y a rien. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Il fait des bruits de Yoshi, c'est trop mignon. Ah putain. Où est le dernier? Ah non, il y en a encore deux. Ah peut-être là-bas. Ne t'inquiète pas, je pourrai me recharger quand on aura activé cette station de travail. Putain, le pauvre, il est en train de prendre cher. Il est en train de chaud, il est en train de fumer. Il est complètement en train de fumer. Il est en train de bugger sa race. Alors attends. On va retourner de ce côté-là. Attends, faut un ordinateur comme ça, là. Ah d'accord, tout simplement. Oh non, bébé où ? Je crois que j'en ai plein la coque.
C'est bon, ça va aller. Amène-moi simplement à la station de travail. On peut désactiver cette alarme. C'est pas ici? Et voilà, nous sommes saufs. Écoute, je dois te convier quelque chose. Je savais qu'une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle central de la ville. Bien plus énorme que tout ce que ce drone pourrait fournir. Mais maintenant que la sécurité est désactivée, je peux prendre le contrôle du système et ouvrir la ville. Et en prendre le contrôle pourrait endommager mon logiciel. Mais j'ai fait ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur. Avec toutes les conséquences qui peuvent se s'en suivre. Je suis désolé qu'on ne puisse pas avoir accès à ensemble. Je pensais devoir transmettre les souvenirs de l'humanité pour conserver le passé. Mais je vois un avenir dans les compagnons et sans toi. Et dans toi. Allez, laisse-moi t'enlever ça. Bah... Tu étais mon ami. Le meilleur ami dont j'aurais pu rêver. Merci. C'est trop triste. Mais c'est horrible. J'ai pas envie de les séparer. Ah non. Ah c'est horrible. Waouh. Ah, le moment du câlin, c'est horrible. Bah ouais, on retrouve la liberté, mais à quel prix ? Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau.
bah c'était très cool. C'était très très cool. Alors il y a toujours cette frustration de bah ouais, comme c'est un jeu comme c'est un jeu indé, c'est vrai que on aimerait tellement plus la BO de fin, on dirait de la Lofi. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh, le petit chat. Non mais ouais, c'était trop cool. C'était trop cool. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup les moments un peu ouais. Enfin, des moments assez calmes, assez en extérieur avec des beaux panoramas, des choses comme ça. Et c'est sûr que comme le jeu est assez court, bah il y a pas mal de choses comme ça qu'on n'a pas pu avoir. Et c'est dommage. Mais sinon, non, c'était très chouette. L'animation du chat est tellement réussie. J'aime beaucoup. J'ai vraiment un respect tout particulier pour les jeux où en fait où l'interface de jeu est extrêmement simpliste. Et le gameplay aussi. Et malgré ça, tu arrives quand même à t'amuser, à interagir avec pas mal de choses. J'ai beaucoup de respect pour ça, parce que c'est vrai que dans le côté créatif, c'est vrai que tu peux avoir tendance à avoir envie de multiplier les touches, les touches d'action, etc. Mais là, c'est vraiment simpliste au possible. Bon appétit, Colline. Mange bien. Mais ok. Ok, non, très sympa, franchement. Très très beau travail d'effectuer pour ce jeu, c'était vraiment chouette. C'est vraiment chouette, très touchant. Ouais, comme je disais, t'as envie d'en avoir plus sur le lore, en fait, sur les personnages. Mais c'était beau de créer une histoire aussi attendrissante, mais sans aucun humain, et avec que des robots, uniquement des robots. Je trouvais ça très chouette. Tu vois pas d'humain, tu vois juste des êtres sans grandes émotions, on va dire, entre guillemets. Non mais ouais, franchement, c'était cool. C'était cool d'avoir fini ce jeu, d'avoir ajouté ce jeu à la liste des aventures terminées pour cette phase 4 de Let's Play. Donc ouais, non, franchement, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont sur YouTube, bah c'est en stream que ça se passe sur Twitch, sur le Twitch de la Moquette TV, les sessions gaming. Et puis alors ouais, du coup la prochaine fois, je pense que ce sera Spider-Man qu'on va reprendre. Je pense qu'on va le reprendre tranquillou bilou. Alors je sais, est-ce que je le stream dès dimanche prochain? Je vais voir ça. Mais ouais, je pense que je vais pour l'instant rester sur le je pense que pour l'instant je vais rester sur le la tranche horaire de dimanche, dimanche fin d'après-midi, histoire de pas trop charger la semaine, surtout que tout le monde a un peu pris, donc bref. Prenez soin de vous, des bisous à ceux qui regardent en VOD, n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne, et on se dit à très vite pour de prochains Let's Play. Bye bye.